Jingle bell, jingle bell, 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 pour m'aider à réaliser ce rêve-là en partageant, en likant et en vous abonnant à la chaîne YouTube. La team, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 des charbons spécial Kaloud. C'est le 1er décembre, il y en aura d'autres. Donc si vous avez des idées de top 5 que vous voulez que je traite en vidéo, dans l'espace commentaire, je vous laisse gérer top 5 de ce que vous voulez. L'année dernière, j'avais fait un top 5 des chiens à moins de 50 euros et moins de 100 euros. Donc à vous de voir ce que vous voulez voir. Aujourd'hui, je vous propose le top 5 des charbons spécial Kaloud. Allez, c'est parti, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et let's go. Tant mieux si t'as un trop gros boule, j'ai le permis camion. En numéro 5, j'ai placé les charbons Star Coco. Alors ces charbons-là, je les avais testés il y a un peu plus de 6 mois. À sa sortie, j'avais testé 4 kilos avant de faire la vidéo. C'était des charbons qui étaient juste parfaits pour ma part, qui pouvaient concurrencer les meilleurs du top 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu une mauvaise série qui est arrivée d'Indonésie, du pays de fabrication, après sa sortie. Et malheureusement, ça a fait une tellement grosse polémique, et même moi j'ai pris cher de ce côté là parce que j'avais fait une vidéo où je présentais ces charbons comme l'un des nouveaux meilleurs. Malheureusement, il y avait une mauvaise série qui est arrivée et ça, je pouvais pas m'en douter. Donc c'est pour ça que j'ai mis au courant après via des vidéos et via les réseaux sociaux que les charbons étaient un petit peu instables. C'est pour ça qu'aujourd'hui je les mets seulement en top 5, parce qu'on sait pas si on va tomber sur une bonne série ou une mauvaise série. Après c'est comme ça dans toute marque hein, et comme dans tout dans la vie la team. Donc c'est pour ça que malheureusement je les mets qu'en top 5. Donc ces charbons là sont au prix de 6 euros pour le kilo, et en 3 kilos ils sont à 15 euros. Ces charbons là, je les avais kiffés. Malheureusement, lors d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes, des problèmes de cendres qui étaient juste horribles, l'odeur à l'allumage qui donnait mal à la tête et mal au ventre tout simplement, des charbons qui s'éteignaient et plein d'autres choses, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans le charbon, une mauvaise série. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si on tombe sur une bonne série, comme là il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une bonne série, donc c'était nickel. Mais il y a peut-être un mois de ça, j'ai pris un kilo, je tombais sur une mauvaise série, donc on ne sait pas si on tombe sur une bonne ou une mauvaise série. Donc à vous de voir, si on tombait sur une bonne série, ils sont juste top. Mauvaise série, malheureusement c'est une mauvaise série. Donc voilà la team pour le top 5. Pour le top 4, j'ai mis deux charbons de la marque Alduchan, les X et les Y. Les Y sont en 3 parties au prix de 6 euros et les X sont au prix de 7 euros en 4 parties. Donc ces charbons là, j'ai eu l'occasion de les tester, pas énormément, mais quand j'ai pu les tester, c'était juste parfait, que ce soit en 3 parties pour les Y ou en 4 parties pour les X. Ces charbons ont une très bonne chauffe, très bonne durée de session, pas beaucoup de cendres, ils font pas beaucoup d'odeur, un petit peu d'odeur à l'allumage, mais sinon très correct au niveau de ces charbons là. C'est pour ça que je les place en 4 au niveau du top. Et franchement, ces charbons là, si vous les trouvez, vous pouvez les prendre. Si vous ne trouvez pas, dans les autres, top 3, top 2 et top 1. Voilà pour le top 4. Pour le top 3 maintenant, les charbons Tom Coco Chat 3 blocs. Alors les Tom Coco Chat 3 blocs, ils étaient sortis déjà il y a pas mal de temps sous l'appellation des Silver en 4 parties. Ces charbons-là, les Silver, tout simplement, ils sont encore en vente au prix de 7 euros ou 6 euros de mémoire. Ils sont en 1 et 3 kilos. Ces charbons-là, j'avais fait un test tout simplement en décembre 2016. Ils étaient pas mal, mais il manquait un peu de chauffe. Et au niveau de la durée de session, on finissait pas nos sessions. Notre tabac restait un peu juteux au niveau du fond. Ça cramait pas entièrement notre session. Donc ces charbons-là étaient pas mal, mais il y a mieux. Donc c'est pour ça que Tom Gocha a vraiment revisité, a retravaillé sa gamme de charbon spécial Kaloud. Et tout simplement, il a sorti les 3 blocs en 3 parties au prix de 7 euros, 72 charbons dans le kilo. Et maintenant, ils sont juste top, hein, juste magnifique. Très très gros chauffe, pas beaucoup de cendre, une petite odeur à l'allumage. Rien de bien fou, mais on finit bien notre session avec. Et c'est de très bons charbons, je vous conseille. Voilà pour le top 3.
Pour le top 2 maintenant, des charbons qu'on n'entend plus parler maintenant, mais moi, j'en ai fumé mais tellement, et c'est des charbons qui étaient souvent en top 1 avec le top 1 qui va arriver juste après, c'est les Black Coco Diamond au prix de 7€ le kilo. C'est des charbons à l'heure d'aujourd'hui qu'on trouve pas beaucoup ou on n'entend plus trop parler dû à sa petite rupture de stock qui est assez dérangeante, mais c'est des charbons pour moi qui sont juste mais juste magnifiques. C'est des charbons assez premium avec une très très grosse chauffe pour les personnes qui aiment bien fumer avec une bonne intensité de fumée et un ressenti du goût assez prononcé. C'est des charbons qui ont une très grosse chauffe, ils font énormément le taf, ils s'allument très très vite, ils font pas beaucoup d'odeur, ils ont une chauffe et une durée de session juste parfaite. On finit notre session et juste au top avec ces charbons là. 7€ le kilo, un peu plus cher que la moyenne, mais ces charbons là, voilà, c'est Black Coco. Black Coco a plus besoin de faire son nom dans ces charbons avec les Black Coco cubes qui sont juste parfaits. Voilà, ils ont fait une version spéciale Kaloud avec les Diamond et malheureusement on n'en parle pas assez, mais ces charbons là, si vous en trouvez, vous pouvez les prendre les yeux fermés. Voilà pour le top 2 la team. Et pour le top 1, vous en doutez la team, les Fresh Coco Suprême. Et pas les Fresh Coco normales, la boîte qui est un peu dorée et noire. Bien sûr qu'on n'est pas la première version en 4 parties, mais en 3 parties. Les Suprêmes, les Fresh Coco Suprêmes au prix de 6€. Bah, que dire de ces charbons-là, c'est les meilleurs. Ils ont fait leur nom, c'est les charbons que la plupart du monde utilise. Moi, j'utilise que ceux-là maintenant, ils sont juste mes top. Voilà, rien à dire dessus. Ils s'allument très très vite. La cendre reste bien collée au charbon, on n'a pas de particules de cendre qui va partir à gauche, à droite. Il reste bien rouge, bien sûr dans le caloud. La durée de session est juste parfaite. Ces charbons-là, bah, que dire de plus, c'est le numéro 1. Voilà. C'est pour ça que la rupture de stock est tout le temps là, tout simplement. Dès qu'ils arrivent, il faut prendre 10 kilos direct les gars, sinon bah, 2 semaines après, il n'y a plus rien. Et après, le restock est longtemps après, mais ces charbons-là, voilà, sont juste magnifiques. Je fume dessus là et... rien à dire, c'est les meilleurs charbons la team. Donc voilà. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon top 5 des charbons spécial Kaloud pour ma part que je vous conseille. Donc pour ceux qui se demandent et qu'on me demande la question quel charbon prendre pour Kaloud, bah vous en avez 5 avec une petite charbon plus 6 tout simplement que je vous conseille. À vous de voir maintenant lesquels vous choisissez selon que vous pouvez trouver à côté de chez vous en boutique ou sur internet. À vous de faire votre choix la team. Donc si vous avez des top 5 en commentaire, je vous laisse choisir de me proposer tout simplement. On va tirer encore quelques lattes, on se retrouve demain à 19h pour une prochaine vidéo la team. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous en dessous de la vidéo et partagez. Je tire encore quelques lattes et on se retrouve demain la team. Je suis dans l'avion de Pablo, je plane, tu m'allumes comme un dodo, t'es ma flamme. Je brille comme un bling 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 bling. Sur le toit du bling.